petit test court. On va tester des munitions de type rival avec un blaster type mécanique modé, donc mon Chronos mode. On va tester les billes au vélocimètre, puis sur cible intérieure et sur cible extérieure. À de suite. Nous revoici les amis du coup avec le vélocimètre. Alors mon ami Ed et son cousin Jean-François ayant acheté le même vélocimètre que nous. Lui il a eu de la chance, il a eu la notice dans la boîte. Nous non, alors du coup MPS, FPS, je reste appuyé, je valide. Et voilà, du coup plus besoin de traduire avec l'autre téléphone. Du coup ce sera beaucoup plus précis pour nous, pour nos tests. Du coup, je prends le blaster, on va commencer avec 5 X-Shots. On va faire une bonne moyenne à chaque fois. Et là ce qu'il y a de bien pour une fois, je vais bien le faire. Comme je vous dis, la conversion avec l'outil Google, ça se fait tout seul. Merci encore au collègue et à son cousin. Alors 159,7 FPS. Ouais quand même. Là, je sais pas pourquoi c'est là. Missile. On va dire en moyenne 156 FPS, c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, on va passer direct à la bille chinoise. Alors, la bille chinoise, c'est comme la rivale classique, sauf qu'elle est beaucoup plus dure. Donc, on va espérer de faire des bonnes perfs aussi. Alors, je suis pas pause pour une fois. Ça meuble un peu la vidéo. 152,8, la bille chinoise. 154,8. Alors pour l'instant il y a une baisse de puissance. Hein. Oui, il y a une baisse de puissance avec ces billets. Alors du coup maintenant on va passer avec les nerfs rivales classiques. Hein. Et après on passera avec les rivales AcuStrike. Alors désolé, je prends un peu de temps à recharger parce que. Comme j'ai modifié le ressort, la compression du blaster, c'est pas très évident de recharger. Alors, nerf rival classique. Pour des billets nerfs rival quand même, c'est assez pas mal. Mais comme il y a ce que vous voyez, c'est pas régulier. On va tester les nouvelles billets nerfs rival. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui n'ont jamais eu dans les mains, j'essaie de faire un petit zoom dessus. Sauf qu'il y a de bizarre parce qu'il y a l'hexagone et là c'est tout lisse qui marque nerf de deux côtés quoi. En 63,3, 155,8, 162, il y a du mieux avec ces billes, 159, 162, ça tabasse assez fort, et pour finir on va prendre les Dark Zone, après il y a des petits motifs, c'est chouette dessus. Comme je vous disais, je fais exprès de ne pas faire de pause. Hein. Ça meuble un peu le test parce que c'est assez court quand même. 154,8, 165, 161, 164. Hein. 162,6. J'ai de quoi refaire un chargeur de 5. On va refaire un petit chargeur de 5 pour rigoler.
Je suis impressionné quand même, je gagne de munitions, je gagne 10 à 15 FPS de plus, c'est impressionnant. Bon ouais, je suis... On va voir. C'est impressionnant, je suis dans les 160 FPS à chaque fois. C'est impressionnant. Comme vous pouvez voir, franchement, le Dark Zone avec ce blaster mode, franchement, c'est un régal. Vous voyez, les tirs sont réguliers. Je gagne à 10 FPS en fonction des autres marques de billes. Et la puissance est tout le temps régulière et constante. Alors, je vais faire du tir sur cible intérieure. Du coup, on va tirer deux chargeurs de Dark Zone. Et pour venir à l'extérieur, tirer sur la cible à 15 20 mètres. Alors, c'est parti pour le test de sur cible. Avec les Dark Zone. Alors j'espère que mes cibles vont supporter parce que le blaster est violent de base, mais là du coup. Non, là c'est patate que ça tient. C'est précis en plus. Hein. C'est impressionnant. Je crois que le jeu de cible il va pas m'aimer à la fin. Ah, ben c'est un peu, il y en a une qui existe plus. Dommage à côté, je vais recharger. C'est parti pour le deuxième chargeur. Donc, ben, décidément. Hein. Bon, ben, faut remettre le jeu de cible en place. Bon, alors, du coup, je recule le jeu de cible puisque j'ai plus. Espérons qu'il ne retombe pas. Bon, du coup, on va essayer de reprendre. Alors, ben, décidément, les panneaux 15. Je ne vois pas les miens. Ah, entre les deux. Ah, elle est revenue à moi. Allez, pour le fun, un dernier coup. Franchement, c'est plutôt précis, c'est badass, ça tape super fort. On va aller dehors faire un peu de métrage et du tir sur cible. Du coup, les amis, nous voici à l'extérieur. On va faire un peu de tir droit, voir ce que ça donne en métrage. Je vais en tirer deux ou trois, pas le chargeur entier. Ouais, c'est n'importe quoi. J'ai du 40 mètres, hein, voir c'est pas plus. C'est n'importe quoi. Franchement, Dark Zone, pour les biais, vous êtes les meilleurs. Je vais en tirer que trois. Oh mais ça abuse, hein. Je sais pas si vous les aurez, si vous les verrez bien sur la vidéo. On va les chercher, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. C'est un chronos là, il tire aussi fort que fusil d'assaut quoi, ou voir mes snipers quoi, c'est n'importe quoi. Alors avant j'arrivais pas aussi loin, mais là avec les billets d'Arizona, c'est impressionnant quoi. Excusez-moi si je blablate comme un vieux que je radote, mais... Attendez que vous comprenez quoi, c'est hallucinant quoi. Ah, je suis scotché quand même, hein. Des performances, c'est ouf. Je fais pause, essayer de chercher la dernière qui aurait dû rebondir dans le champ et je vous reprends pour le métrage. Alors c'est bon, j'avais raison, elle avait rebondi. Alors c'est parti. Ouais, voilà, avec des Dark Zone, je suis dans les 40-43 mètres. Du coup, maintenant, je vais mettre la silhouette en place. On va se mettre à 15-20 mètres. Et on va voir ce que ça vaut en précision. Et aussi, j'ai pris un chargeur de Rival Accu-Strike, voir si vraiment c'est plus précis. Alors ouais, j'ai bien regardé la vidéo. Il y en a une vraiment qui part vraiment en sucette de Dark Zone, qui part vraiment... Mais bon, c'est pas grave, c'est le risque d'avoir un blaster avec trop de compression. On va voir ce que ça donne quand même sur cible à 15-20 mètres. Parce que c'est pas tout d'avoir un blaster modé, mais est-ce que c'est efficace en partie? Exactement, nous voici à 18 mètres. Alors j'essaie de viser la cible. Côté. En pleine à la cible.
pleine à la cible. À côté de la cible, dommage. À côté de la cible. On va prendre les Rival Acoustrike, voir ce que ça donne. Moment de vérité, voir si soi-disant les nerfs Rival Acoustrike, c'est meilleur en précision. On va voir. Cible. 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 Juste à côté de la cible, c'est dommage. Cible bien comme il faut. Alors oui, c'est pas un mythe. Pour une fois, Nerf a développé une bonne technologie avec ses billes. Excusez-moi, j'ai bégayé. Ils ont fait une bonne technologie avec leur bille Acoustrike parce que franchement, c'est vachement précis. Hein. Je suis dans les 20 mètres là. J'ai le vent qui commence à se lever, c'est plutôt pas mal. On va retirer des dark zones quand même pour recomparer, mais... À côté. Cible. À côté. Ouf, en plein milieu du gros panneau de la cible. À côté. Et voilà. Donc, du coup, on aurait eu la preuve en direct que les billes Acoustrike, c'est beaucoup plus précis. Du coup, là, leur système d'alvéole, là, Nerf, ça, c'est très beau ce que vous avez fait comme billes. Continuez comme ça, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est dommage que c'est pas encore hein, la bonne texture de mousse. Hein. Faudrait faire, admettons, la mousse de la Dark Zone, hein, avec peut-être hein, les alvéoles de Nerf, pour la précision et avoir du FPS. Alors maintenant, on va passer en haut pour la conclusion. Alors, petite conclusion du test. Alors, toutes les billes, c'est pas mal. Mais franchement, vous avez pu voir que d'une marque à l'autre, on gagne 10 FPS. En moyenne, celle-ci, je suis entre 150 et 160 FPS, c'est pas constant. Celle-ci, 155, 160 FPS, même des fois un peu plus. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que sur la cible, vous avez vu dans les 18-20 mètres, sur les 5, j'en touche que 3 fois ou 4 fois. Et avec celle-ci, pour l'instant, j'ai qu'un chargeur, 5 coups, 4 fois touché, et franchement, le coup que j'ai mis, c'était vraiment juste à côté, à peine 1 cm. Donc voilà, les amis, c'était les petits tests de comparaison de munitions rivales. J'espère que ça vous aura plu. En plus, vous avez vu mon vélocimètre maintenant. Je peux le mettre en FPS, donc pour les tests à venir, ça sera beaucoup mieux. À la prochaine, les amis.